Harry Potter est l'une des sagas les plus rentables de tous les temps, avec près de 10 milliards de dollars générés dans le monde en comptant tous les films. Les acteurs ont totalement explosé et se sont tous enrichis. On vous dévoile aujourd'hui l'incroyable fortune de tous les acteurs de la saga. On commence avec le héros Harry Potter, ou plutôt Daniel Radcliffe. Le jeune acteur n'avait que 11 ans lorsqu'il a accepté de jouer son rôle lors du premier film. C'est là qu'il touche son premier million de dollars, avant de multiplier son salaire par 10 lors du deuxième volet, puisqu'il touchera 10 millions de dollars. Film après film, les sommes augmentent et l'emblématique acteur finit par empocher 100 millions de dollars grâce à ses performances. Il est évidemment l'acteur le plus riche de la saga, mais n'est pas le mieux payé. Ce n'est pas non plus Emma Watson. Les fans tombent sous le charme de la jeune actrice lors du premier film. Sa gueule d'ange et le caractère de Hermione, son personnage, font fondre le cœur du public. C'est certainement elle qui profitera le plus de son succès et qui fera la meilleure carrière d'actrice derrière. Elle percera également dans la mode et le mannequinat. Sa fortune est estimée à 85 millions de dollars, de quoi se placer juste devant l'acteur qui vient compléter le trio, Rupert Grint. L'interprète de Ron Weasley a touché près de 30 millions de dollars en jouant dans les opus de la saga. Mais son parcours est assez particulier. Il continuera à jouer dans quelques films et fera fortune dans l'immobilier en 2013. L'acteur possède une fortune de 30 millions d'euros avec des revenus estimés à 240 000 dollars tous les mois grâce à ses investissements. D'acteur de renom à businessman, il n'y a qu'un pas. Les trois acteurs principaux sont devenus multimillionnaires, mais les personnages secondaires ne sont pas en reste non plus. Parmi eux se trouve l'acteur le mieux payé de la saga, Tom Felton, qui joue le personnage de Drago Malfoy. L'acteur a réussi à rendre le grand rival d'Harry Potter iconique, pourtant il n'apparaît que 31 minutes à l'écran dans les 8 films. Avec un chèque de 14 millions de dollars touchés, il a été payé 450 000 dollars par minute à l'écran. On peut dire que Tom Felton a bien rentabilisé ses apparitions. Il possède aujourd'hui une fortune de 35 millions de dollars. Un autre personnage iconique qui reste dans le cœur des fans, c'est celui de Hagrid. Interprété par Robbie Coltrane, l'acteur a touché près de 4 millions de dollars pour son rôle. Mais son histoire est plus tragique. L'acteur avait de graves problèmes de santé et souffrait d'arthrose. En 2020, il apparaît en fauteuil roulant et meurt tragiquement 2 ans plus tard. Les fans ne savent toujours pas de quoi le célèbre acteur est mort. Sa famille a seulement indiqué qu'il ne se portait pas bien depuis un certain temps. Parmi les autres personnages secondaires, on retrouve également Ginny Weasley, jouée par Bonnie Wright. Elle possède aujourd'hui une fortune estimée à 12 millions de dollars, sans oublier Matthew Lewis dans le rôle de Neville, et ses 10 millions de dollars nets. Avec une telle franchise, même des rôles secondaires peuvent vous rendre riche. Finir, il y a également un personnage important que beaucoup oublient, J.K. Rowling, la créatrice d'Harry Potter. Entre le roman, les films, les jeux vidéo et les autres produits dérivés, la romancière tient entre ses mains une véritable mine d'or. La franchise d'Harry Potter représente aujourd'hui 25 milliards de dollars, et la mère du roman est de très loin l'auteur la plus riche du monde, avec une fortune estimée à plus d'un milliard de dollars, la première écrivaine de l'histoire à franchir ce palier. Vous l'aurez compris, Harry Potter est une franchise qui vous rapporte gros. À quelques exceptions près, les acteurs de la série n'ont jamais rejoué dans des gros films à succès. Et pourtant, tous sont encore multimillionnaires plus de 20 ans après la sortie du premier opus. Une chose est sûre, ils peuvent tous déjà prendre leur retraite. Cet épisode de Thune t'a plu, abonne-toi pour ne pas manquer les suivants.